dans la résidence Écureuil, c'était une belle maison de maître avec un magnifique parc. Mais lorsqu'il pleuvait, eh bien, il y avait des bassines sous le toit pour récupérer l'eau. On déplaçait les lits au quatrième étage car il y avait des gouttières dans les chambres. Une douche pour 70 résidents. Mais tout ça, c'était avant. En 2008, la rénovation et l'extension de l'écureuil a été décidée, ainsi que la nomination d'un directeur en remplacement du précédent, dont l'intérim a duré 9 ans. Pour un intérim, c'est pas mal. C'est grâce à l'appui financier et la caution du Conseil général que les travaux ont pu démarrer en 2012. En 2013, il y a eu l'inauguration de l'extension, dont 20 chambres confortables, gaies, vraiment elles sont magnifiques. Une cuisine très bien équipée et une grande salle à manger. Donc d'ici 3 semaines, 20 chambres de plus seront livrées et les travaux seront terminés en 2015. Le cheminement de la résidence vers la maison de la petite enfance facilitera les rencontres avec les enfants. Et donc, c'est la vie qui rentre dans l'écureuil. En 2011, les directeurs des maisons de retraite, dont celle de l'Audève, ont créé un groupement de coopération sociale et médico-sociale du pays Cordéreau. Ils ont mis en place un chantier d'insertion permanent, dont des achats groupés pour mutualiser au maximum. C'est une action innovante qui fonctionne très très bien. En 2013, nous avons acquis un minibus pour favoriser les sorties pour les personnes à mobilité réduite. Donc, que ce soit au CCAS ou à l'écureuil, tout ce travail a été possible grâce à des agents professionnels, soudés, dynamiques et ouverts au dialogue.